Crusader Kings 2. Si vous vous souvenez bien, on est toujours en guerre contre le petit pays au sud, là, le... Reichsur-Doab, voilà, c'est un machin qui est divisé en au moins 4 grosses, 4 enclaves, dont certaines qui font une province. Et j'ai essayé de lui foutre la tronche, histoire de patienter le temps que 2 années s'écoulent et qu'on puisse mettre sur... et qu'on puisse à nouveau trucider un autre roi indien, enfin pas le trucider, mais bon, déclarer une croisade pour s'emparer ses terres, voilà. Qu'après tout, l'Inde, notre but, c'est la domination totale de tout ce qui est possible. Conquérir le monde connu, c'est le grand rêve de Charlemagne et de ses successeurs, et ils vont y arriver. Oh certes, ils sont maintenant de culture grecque, mais ça empêche que ce sont toujours des Carolingiens. Toujours la même dynastie. 31, 27 octobre 31 pour l'Écosse. Vous avez vu, ça rapproche, hein. Et 33 pour ce pauvre gars-là. Donc 31, en octobre 31, on défoncera l'Écosse. Je pense qu'on aura terminé la guerre, je sais pas, on avisera. Là, on est déjà à 51% score de guerre, parce que le but, c'est de s'emparer de ce duché-là. Est-ce qu'on peut enlever notre force? On va voir. De l'argent disparaît. Bon ben, tu veux devenir, tu vas rembourser l'argent que tu as volé, c'est tout. Je vais pas tomber en taule mon gars, parce que j'ai besoin encore un peu de toi, mais... Ma femme Giuseppa est enceinte. Giuseppa, elle est enceinte. J'ai deux enfants, j'ai la princesse Sayu, que j'aimerais bien voir un jour hériter, et puis le prince du con. On va essayer de buter l'armée de 300, des 300 guignols qui sont là. Et continuer à faire des petits sièges. On a converti au catholicisme une nouvelle province. Génial! Fiancé peut se marier. Bon ben, ma soeur. Avec le prince de Grèce. Donc ça va être. Où est-ce qu'il est d'ailleurs mon curton? On va le déplacer. Ici, c'est Jainit. Je peux cliquer sur la bonne province, bon c'est pas grave, c'est une province qui est également hérétique, donc c'est pas trop grave. Voilà, le mariage est fait. Ah les pauvres gars ils se tirent, 7 juillet, nous il sera le 12 juillet. On va se marier, vous allez voir, je vais les lancer à leur poursuite histoire de voir si on veut pas les écraser. Parce que je pense pas qu'il osera bouger parce qu'il va aller par ici. Après s'il va aller par là ou... Oui il va aller par là parce que c'est un sétateur à lui. Et au sud ici il y a une révolte, il va pas vouloir se taper une révolte. Ce qui est logique. En plus j'aurais pas me taper une révolte pour épargner mes troupes. Par contre je lancerai bien l'ennemi à la suite. Ah il veut pas y aller, regardez. Coucou j'arrive. Ben ça que je vais être trop tard. On l'extermine là, on perd seulement un homme à chaque fois, lui on le massacre. Ce nouveau siège terminé, très bien, on monte le score de guerre en notre faveur. On va prendre une nouvelle province ici bientôt. En 12 jours, hop, on a pris le Mandir. Et après on va prendre la cité de Bashki là. Il faut combien de temps pour faire une... 2 jours. Ah bah c'est tombé, voilà. 629 hommes pour la forteresse seulement. Et voilà, elle est tombée la forteresse. On va accélérer également de l'invasion ici. Et on se casse, hop. On ferait la paix, je veux ça. Et voilà, donc ça, on va le refiler à qui? Non mais ça va, donc ça, c'est les rages de machin. Est-ce qu'il n'y a pas un pecno qui est pas content? Le Punjab. Mais c'est quoi, tu vas prendre le comté de la Tura, là, que j'ai pris, avec tout ce qui est dedans. Ça te fait plus 50, t'es content, tu m'aimes bien.
Ah oui, c'est vrai que t'es prétendant au titre. C'est con, hein. Pourquoi ne pas avoir des amis? C'est bien d'avoir des amis. Et moi, ça m'intéresse, c'est Lost et pas les intrigues. Et on va démobiliser tout ce beau monde. Hop. Encore un fils, Trajanos. Et une fille qui s'appelle Euphrosyne. Non, on va changer son nom. J'ai 25 ans en plus. T'as rejeté mon amitié, connard? Dommage. Une amitié avec le Basileus, ça ne se refuse pas si aisément. Comme une amitié avec Saruman d'ailleurs. J'aimerais tellement avoir juste un jour une fille qui arrive du trône. Ça me plairait tellement. Est-ce que je peux améliorer une chose au niveau technologique? Alors, est-ce que je peux améliorer infrastructure d'église, pratique commerciale? Ok, deux me tente vraiment, je vais pas vous mentir. Hein. Non. Le problème, c'est que si j'avance un truc, là, regardez, je suis déjà un petit peu en train d'avancer. Je vais être en, comment dire, en avance tech, je vais devoir craquer tellement de points. Bon, alors, on va voir, nous. Je peux pas usurper. Ils sont tous en guerre, c'est con. C'est pour ça, d'accord. Est-ce que les vassaux font des guerres aussi, de leur côté, un petit peu? Ah, un mariage qui est pas matrilinéaire. Et donc, en fait, c'est les Ayuda qui vont prendre le pouvoir. C'est plus les Rashtrakuta. La dynastie Rashtrakuta, d'accord, va perdre le trône, d'accord. Et puis, bon, on sera plus des Rashtrakuta. Ça va devenir, Ayuda, ok. Je peux pas la buter par contre. Est-ce que je peux buter mes gosses? Je peux pas buter mes gosses, c'est débile ça. On devrait pouvoir tuer ces gosses. Le problème c'est que vous voyez, c'est que mes deux fils qui vont hériter normalement, c'est mes deux fils avant mes filles. J'aime ma femme. J'aime ma femme. Là, ça se bastonne, pourquoi? Oh! Tauride! Tiens, prends du pognon. Si tu fais une guerre pour bouffer les territoires, je vais t'envoyer un petit peu plus de pognon. Et moi d'ailleurs, est-ce que mes provinces évolue. Je vais voir si je peux pas quand même au cas où construire quelques améliorations dans les provinces. Excusez-moi. Voilà, reprenons. J'espère que ça va planter là, maudit Skype. Non, c'est bon, ça ne plante pas. Désolé pour une petite interruption. Donc là, nous, est-ce qu'on peut construire des trucs? Voilà, non. Non, non. Infrastructure et donjon amélioré. C'est infrastructure et donjon amélioré qui me manque. C'est infrastructure et donjon amélioré. Donc, infrastructure, ce sera dévoilé quand quoi. 1400 qu'il me faut! Parce que j'ai 100 d'avance. Donc je vais améliorer, c'est... J'ai trop de phrases avec ma vie, putain. Je vais pas toucher au point là parce que j'en ai tellement besoin pour améliorer les infrastructures et... Alors que là, c'est l'infrastructure. Ça évolue tout seul.
Ah, y a pas pénalité d'avance. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas pénalité d'avance? Donc ça. Ah, bah ça se dure contre vous, les gars. On se bastonne bien, en fait, les gars. Homme de Syrie. Les gars se piquent les terres entre. Eh ben, on est en 31, on va pouvoir attaquer l'Écosse, nous. Ne dites pas ce que je peux usurper si c'est si pas usurpable. Tu prends le duché là à la con, même si t'as aucune terre là-dedans, je m'en fous, tu prends le duché. Donc l'Écosse, nous disons donc l'Écosse. Déclarer la guerre donc. Une question, est-ce que ce cus-là, le grand maître de l'automne, c'est un vassal, d'accord. Très bien. Le grand maître là, c'est un vassal d'un vassal, donc ok, il devrait y être un truc. Nous déclarer la guerre pour... Fortu, c'est-à-dire le duché là. Très bien, on déclare la guerre. Et on se fait l'écossais. Bon, très bien, on va mobiliser tout ça. Et pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!